Quel plaisir, le meilleur réveil les amis. Ma petite trousse de toilette, mes t-shirts, mes slibards. Oh oui. Que la journée commence. Code créateur Balouze les gars. Oh, Inox c'est bon. Je pense qu'Inox dort encore. Quel plaisir les amis de se réveiller et de pouvoir se sentir tout neuf. Oh là 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 là, se brosser dans sa brosse à dents, mettre son propre déodorant. Oh là là, son petit savon, tout ça. Quel plaisir. On peut pas mieux démarrer la journée. Et en plus, aujourd'hui, grosse journée, les amis, ça va être trop bien. Aujourd'hui, ça va être souvenir, 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 souvenir. Après, on va faire un truc de fou. Wesh les girls, ça va? Bah ouais, toi. Alors, mon vie, qu'est-ce que ça nous fait? Oh, ça fait trop du bien. Alors là, t'es super mignon, là. Je vais te faire un check ici. Bah, on peut se checker quand même. Allez, on va faire un check. Mais tu sais qu'il y a une vidéo où t'arrives, t'as ta cam, on est à l'hôtel et tu me fais un check. Ah bon? Comme si j'étais un inconnu. Bah je dis bonjour hein. Ouais, on s'est dit bonjour ce matin mais je te dis bonjour encore. Ça va Po? Bah ouais. J'ai hâte. J'ai trop hâte. En vrai j'ai quand même envie de lui rendre tous ces trucs. Je me sens un peu coupable. Bah, ce matin. Mais j'ai hâte de voir sa réaction quand il va nous dire. Il va être les gars, il y a autre chose qui a disparu dans ma valise. J'ai envoyé un message à toi, j'ai fait, de toute façon Inox, j'ai dit que c'est que du matos, c'est rien. Ouais, c'est ce que je m'a répondu, il m'a dit, ouais, c'est vrai. On est des bâtards quand même. C'est super drôle parce que du coup, il va vraiment le. Mais oui, le du coup, tu penses qu'il va être content, il va dire, oh, bande de mais fils oui, de. Je crois que genre là, il a pas mauvaise, tu vois. Il se dit dans sa tête, c'est du matos, on s'en fout du matos. Ouais. Attends, tu sais, c'est quoi le plan là? Non. Dobby va venir déjeuner avec un t-shirt d'Inox. Ah, mais oui, mais fou. Ah oui, c'est trop bien. Parce que je lui ai et du coup, s'il le tilte pas, après le petit-déj, il va mettre les chaussures. Ah, mais si, mais là, si, il va tilter. Si, il va tilter. Hein. Ouais. Non, c'est bon. Hein. Ah, si, si, si. Il va dire, wesh. Wesh, mais toi, t'as le même t-shirt que moi. Oh, je le vois bien. Et moi, je vais dire, bah non, Dobby, il a déjà eu ce t-shirt. J'ai déjà vu avec. Dobby. C'est Inox? Non. Attends, mais qu'est-ce qu'ils font? Quels sont petit. C'était mal. C'est Inox le t-shirt? Non, c'est bien. Oh, viens, choisis un t-shirt, gros. Il s'est pas rendu compte de mais tout ça. Mais attends, mais comment il s'est pas rendu compte que t'avais fait ça? Il est vraiment zinzin. Mais attends, mais ça veut dire qu'en vrai de vrai, premier degré, il a pensé qu'à ses chaussures. Mais frère, il y a d'autres trucs. Je lui ai pris ça, le 5 grave. Ça cire? Ouais. Putain, mais Inox, ça veut dire vraiment quand il a ouvert sa valise, il a pensé uniquement à ses chaussures. Ça, c'est le. Oh, c'est son bébé. Elles sont vraiment pas si jolies que ça. Désolé, Hervé, du Pro Sneakers. Ah, désolé, Pro Sneakers. Dobby n'est pas. C'est pas au goût de Dobby. Attends, oh, mais y a c'est encore pire. Les fameuses. Mec, si tu te pointes avec après le petit déj et qu'il remarque pas comment je gaulerie. Mais attends, il y avait ça dans sa valise. Sa valise, elle était lourde de fou. Mais il a pété un câble. Il avait une barre de traction dans sa valise, frère. Et what the fuck. Ça, il va cramer. Ouais, ça, il va cramer. Ça va. Faut un truc un peu discret quand même. Que tu vois, limite, tu sais, je puisse te défendre en mode. Bon, ça, c'est free, ça, frère. Ouais, mais il a l'air d'être giga tout petit. Oh, mais attends, mais ça doit coûter une couille. Il s'est pas rendu compte qu'il avait pris tout cet ensemble et qu'il l'avait vu. Il s'habille bien quand même, le Inox, hein. Ah, on se dise. Ouais, ça va partir là-dessus. Écoutez ce crop top. Ok. Oh, mec, c'est trop. Mec, c'est trop drôle. Retourne-toi. Elle lève un tout petit peu les bras. Ah mec, mais putain, c'est trop marrant, il est vraiment trop petit. Oh frère. En vrai, il est basique, donc je sais pas s'il va le remarquer, mais pour le même, non, mais c'est pire, trop marrant. Pire ce qu'on fait, c'est que là, je fais ça, ces joueurs, ils remarquent rien, je reviens et je mets l'autre. Ah ouais? Ouais, Tu crois que c'est pas mieux? Tu fais du combien, toi, en paire? Je fais du 45, frère, je vais la niquer, ça. Ah oui, j'avoue. Tu fais du combien? Faire du 43, Inox, non? C'est 42, gros. Ah oui, ok, je vais la niquer, là. Ouais, bah fais ça. Tu mets ça en début, s'il dit rien, etc. Ou même s'il dit quelque chose, hein. S'il dit quelque chose, genre, moi je te défends, je te dis, bah, je l'ai déjà vu avec ce t-shirt-là, double, tu vois. Et si même, tu vois, il y a le doute, là, à un moment, tu vas pisser et tu reviens avec ça. Ça fait trop. Mets-le juste pour voir, j'ai envie de voir ta dégaine avec. Mais c'est quoi, en fait, je vais le mettre en plus parce que lui, il fait tout le temps ça. Ouais, lui. Ouais. Ouais, mais vas-y, frère, c'est pas possible, il va pas à la salle de sport. Il met du serré. Je suis un mec. C'est trop marrant, frère, la vie de mère, c'est trop marrant. Mec, sa tête qui va faire, je te jure, j'arrive même pas à l'imaginer. Ouais. Je pense qu'il va même pas capter. Bon. Ah, et ça? Ouais. Ah, possible, il capte direct. Ça, il doit capter direct. Ouais. Bon, les gars, on démarre la journée sur un petit prank entre potes, quoi. Eh, hey, mon MP. Wesh, ma petite gueule, ça va ou quoi? Ça va, et vous? T'as l'air d'avoir bien dormi, en vrai. Ouais. T'as une tête de... Hier soir. Ouais. Ah, mais on a récupéré nos valises à minuit et demi. Ouais. Ah ouais? C'est bon, du coup? Ouais. T'as pu mettre tes meilleurs foot. Ouais, ça y est. Ça y est, aujourd'hui, je suis un footballeur. Oui, un vrai foot. Un vrai footballeur aujourd'hui. Un vrai footballeur.
T'es prêt à aller nager avec des pingouins? Des manchots, ça ressemble à quoi exactement? Je suis certain qu'on va nager, mais on va être à côté d'eux. On va être à côté d'eux? Si, il fait trop froid pour nager. Ouais, c'est vrai qu'il fait trop froid, j'avoue. Bon, on va prendre nos meilleurs. Maillots de bain. On va faire des photos. T'as galéré à dire un mot que tu veux dire? Oui, on va faire des photos comme ça, avec les pingouins. Avec les pingouins, une fois là. Et... Mais en fait, des fois, mon cerveau, il oublie des mots. Donc, du coup, je suis obligée d'aller rechercher les mots dans mes petites boîtes. On va nager avec les pingouins. Je vais regarder un manchot, ça ressemble à quoi exactement? Bah, je pense que c'est un bébé pingouin. Bah, non, je pense que ça a juste la même couleur, moi. Oh, alors là, ça va être super beau. Bah, attends, mais des manchots, c'est des pingouins en fait. Ouais, c'est la même chose. Mais bah, attends. Plus, il y en a un qui vole et un autre qui vole pas. Attends, il y a des pingouins qui volent. Mais je te jure, il y en a un des deux qui vole. Ah, t'imagines, oui. Tu vois un pingouin là, au-dessus de la villa. Attends, mais j'apprends des choses. Mais ça va être super mignon. Ah, mais pour moi, c'est ça, des manchots. Et les pingouins, tu vois, c'est plus ce qu'il y a au-dessus. Mais apparemment, du coup, c'est pareil. Bah non, il écrit pingouin manchot. Les bébés pingouins, c'est vraiment trop beau. Hein. Ça va ressembler à petite doudouce. Bah, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi la diff, en vrai. Moi, pour moi, des pingouins, c'était en Antarctique. C'est les pingouins qui volent. Les pingouins, ils volent. Ouais. Mais attends, mais j'ai envie de voir une vidéo YouTube d'un pingouin qui vole. Tu crois que ça va vite dans l'eau? T'as toujours l'impression, c'est un peu genre, ils sont tous deux tenses et tout. Pide, tape pingouin qui vole sur YouTube, je veux voir ça. Oh, mais comment ça sac? Non, remets le début. Non mais je veux pas y croire. Ça va être super mignon un peu, on va adorer. Mais attends, mais ça sac. Mais tu te prends ça dans la gueule, t'es à... Oh, regarde. Mais... Et là, on voit des pingouins ou des manchots? Mais attends, on dirait un montage. Mais c'est... en vrai, c'est magnifique. Mais ça, c'est des pingouins qui volent. Ça va être super mignon. Bah, du coup, nous, ils vont pas voler en fait. Hein. Nous, c'est des manchots. Nous, c'est bien des manchots. Bah, des manchots, ça vole pas du coup. Ah, ouais, tape manchot pour voir ça ressemble à quoi. Manchot qui vole. Hein. Pingouin ou manchot, apprenez. Attends, viens, on regarde. Apprenez la différence. Bah, voilà, les amis, il y a une vidéo YouTube si jamais ça vous intéresse. On la met dans la description. Pingouin ou manchot, apprenez à faire la différence. Les pingouins vivent dans l'hémisphère nord. Les manchots vivent dans l'hémisphère sud. Ok. Comment ne pas oublier, facile, répéter. Les manchots marchent en Antarctique. Le manchot marche en Antarctique. Le manchot, lui, ne sait pas voler. Ok. Mais il existe 18 espèces. Bah attends, mais j'ai vu des pingouins voler, quoi. C'est incroyable. En gros, t'as remarqué quelque chose, c'est quoi? Pidi, c'est Charlet, de Charlet Dino. Mais moi, je connais pas Charlet Dino. Tu connais pas? Non, je le plus grand cabaret du monde. Patrick Sébastien, le magicien et tout. Je trouve qu'elle a la même voix. Ouais. Ça veut dire quand t'as parlé. C'est pas un signe, ça, c'est un casse de cycliste. En fait, quand tu dis elle est contente, t'as fait une voix aiguë. C'est vrai qu'elle a le timbre. Je m'en arrêter, les amis. Par un coup. Je suis parlé du coup. Oui, tu vois, on l'entend, le petit timbre. M'arrêtez là. C'est trop ça. C'est Charlet Dino. Et en fait, Dobby, à chaque fois qu'il entend Pidi parler, il tape une barre. Il appelle Charlet. Ça va, Charlet? Mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, j'y peux rien. C'est ma voix qui change. C'est gênant ou pas? Non. Tu es surexcité, t'as la voix aiguë. Ouais, c'est vrai. Hein. Vraiment, quand tu fais un peu la folle, t'as la voix aiguë. Oh la folle! Quand tu fais un peu la cagole, là... Non, mais j'y peux rien, en vrai. Parce que tu contrôles... Du coup, je m'entends plus. Arrête! C'est Charlie, arrête. Arrêtez. Non mais c'est parce que du coup je vais faire grave. Arrêtez là. Si t'as un vrai Frenchie, tiens. T'as un vrai Frenchie, hein. Croissant. C'est un remix du donut de Homer. Un croissant. Les fruits ici sont trop bons. On te le dise. Ils sont hyper rafraîchissants. Bah les gars, Inox il est pas descendu pour le petit déj. Bon, sachant que en plus de tout ça, à 10h, là il est 15, 9h15, à 10h on doit tous partir pour aller voir les manchots, bah on va aller le réveiller en fait. Je vais lui péter dessus. On lui dit, hein, Inox, faut être à l'heure pour les manchots, faut que tu manges. Non, imagine, il est tout nu dans son bain. Ah ouais, non. T'es serais rentré. Bah ouais. Tu l'aurais vu un poil. Inox, tu viens déjeuner? Comment ça, t'as volé ta cire? T'es sûr de toi? Elle est pas dans une manche d'un truc ou quoi? Attends, vous parlez vraiment porte à porte là? Ouais, j'avoue. T'es tout nu? Ouais. Ok. On t'attend pour déj ou pas? Vas-y. On a fini. On lui a volé sa cire. Oui, bah oui, on lui a volé sa cire. On lui a volé sa cire. Bah oui, on lui a volé. T'es vraiment... Bah oui, on lui a volé.
Ah oui, c'est vrai. Je l'ai dans ma chambre. Ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est-à-dire qu'il pourra bien se coiffer ce matin. Attention, instant carpe coy. Oh merde, j'aurais fait peur. Et mets ton gros doigt de pied, s'il te plaît. Imagine que tu le gobes. Imagine si tu l'avais gobé et tu lèves ton doigt de pied. Ma gueule, ça va ou quoi? Ça va. T'as fait péta ta cire, frère? J'ai trop sûr, mais j'ai fait péta. La moitié de mes caleçons, la moitié de mes chaussettes, ma cire, ma paire. Bah en fait, ça tombe, c'est qu'une partie de ta valise, elle est tombée, en fait. Bah tu sais, elle était ouverte et c'est tombé non, par non, terre. C'est impossible. Et qui va voler une cire? Bah frère, je sais pas, elle était toute neuve. Je te jure, et gros, il a volé la moitié de mes caleçons. Calvin Klein, gros. Le Attends, caleçon. T'as pas de caleçon là? Le caleçon, il coûte 30 balles, gros. T'as pas de caleçon? Bah si, mais j'en ai 5, gros. J'ai trop seul. La moitié de mes chaussettes. Et le caleçon il coûte 30 balles. Mais vas-y, bah il est aux toilettes, hein. Il est aux toilettes là, hein. Mais gros, c'est dégueulasse, ouais. Alors, ça va, Inox? Il s'est fait voler sa cire, ses caleçons, ses chaussettes. Arrête. Des t-shirts, c'est ça? Hein? Des t-shirts? Des t-shirts, je crois pas. Mais c'est sûr, je me suis fait voler d'autres trucs que j'ai pas tout regardé. Bah, c'est à qui la cire là? C'est Adobe. Pourquoi tu fais le beau gosse, Inox? Bah, je me j'avoue, tu me fais délirer comment tu te coiffes, t'as toujours été pareil. Hein? T'as toujours été pareil quand tu te coiffes. Ouais, tu baisses de tête, tuto les gars comment être beau gosse. Mais en vrai, cette coiffure là, elle te va bien. Hein. Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime juste pas trop, moi, les mèches. Ah ouais, moi j'aime bien. Tu te souviens quand tu voulais pas du tout te faire des mèches à l'époque? Ouais. Tu voulais pas toucher à tes cheveux? Moi l'été, j'aime bien. Bah, moi je trouve que ça fait rafraîchissant en fait. Ouais. Ça change. Quand il y en a au Maroc, il y a personne qui avait un dégradé et tout. Quand? Au Maroc. Ouais, c'est vrai qu'au Maroc, il n'y avait pas de dégradé. Maintenant, on est tous sous de gros dégradés. Gros dégradé laser, frère, à la RT. Dégradé laser à la RT. Il est propre, tiens, non? Ouais, il est bien laser. Putain, gros, tu sais que j'ai trop ce. Je me lève là, je vois qu'il n'y a pas ma cire. Pas ma cire. C'est un artiste en plus. Ouais, pas ma cire. Pas la moitié de mes chaussettes, pas la moitié de mes caleçons. Les caleçons, j'ai payé 30 balles chacun. Ouais. Je sais, je regarde. Mec, ceux-là, c'est ceux-là, là. Ouais. Ah, toi, c'est les... Ah, c'est la vie. C'est matériel, frère. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, il expliquait qu'il s'est fait voler sa cire et tout. Du coup, tu vas faire comment? Bah, du coup, je vais retourner les chaussettes, je vais retourner les caleçons. Hein. Tu vas les retourner? Non, je vais en racheter. Mais non, tu peux en laver, gros. Hein. Ouais, je peux laver, frère, avant de partir au safari. J'en ai besoin, dans tous les cas. Tu prends quoi, mon petit bousy? Fruits, croissants, Nutella. J'ai tout. Vous êtes vraiment des enculés. Hein. Quoi? Mec, en plus, je t'avais dit hier, j'étais sûr que c'est vous qui avez volé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez volé ce qu'il y a dans ma valise. Non, on parle pas de ça. T'as un gros schlag. J'ai rien fait, frère. Regarde, Dobby, il a mon Miami 22. Vous êtes des bâtards, vas-y, c'est pas drôle. Viens. Oh, viens, on va tout prendre. Gros, c'est que matériel, frère. Mec, c'est la bonne nouvelle du jour. Mec, il revisite le même de Homer. Gros, c'est la bonne nouvelle du jour, frère. T'as tout récupéré. Attends, on a tout récupéré pour toi, frère. J'ai tout récupéré. Bah, vous l'avez trouvé, mec? Du coup, tu l'as trouvé? Mais du coup, non, il y a un problème, c'est que... Ah, mais donc t'as tout récupéré. C'est Dobby. C'est toi, t'as vu le mec qui a volé mes sacs Jordan 4? C'est moi qui ai tout pris. Vas-y, je vous parle plus. Viens, mais attends, viens, Linox. Linox, il y a un problème. J'ai mis tes chaussures. J'ai aucun caleçon à toi. Hein. Sérieux? T'as mes chaussettes? J'ai aucune chaussette à toi. Y'a que des t-shirts. Viens voir, y'a des trucs que t'avais pas remarqué, frère. Y'a vraiment des trucs, faut vraiment être débile pour pas s'en souvenir. Mais ta barre de traction. Putain. T'as une barre de traction. Ils m'ont volé ma barre de traction aussi. Mais non, y'a pas de vol. Y'a pas de vol, c'est lui qui a fait un prank. Ah bah voilà, je savais qu'on m'avait volé. Elle était légère, ma valise. Il y avait tout ça, frère. J'ai aucun caleçon. Ah, t'es venu sans caleçon, Inox? T'es venu qu'avec 5 caleçons. Si, mais je pense que comme tout était en boule, ça doit être dans. Oui, tout était en boule. Même quand j'ai ouvert, c'était déjà en boule. Elle est là, bébé. Tu fais une photo avec, hein. T'as ciré là. Tu fais une photo avec, frère. Obligé, frère. Ta photo, elle va être mythique. Ah ouais. Tu fais une photo avec uniquement les vêtements qu'il y a là. Non, mais ce soir, je fais coucher de soleil avec Jordan 4. Ce matin, j'avais ton t-shirt, hein. Ah oui, attends, c'est vrai. Mais t'as des habits de beau gosse là en vrai. Hein. Bah oui, gros, y'avait. Et à ta cire et ta barre de traction, frère. Ma cire et ma barre de traction. Mec, je l'avais oublié, elle. On est con ou pas? Vas-y, on est con ou pas? Mais t'es un bâtard parce que hier j'avais cramé. Mais gros. En plus, hier j'avais cramé avant de dormir. Mec, on s'est dit,
T'en as pas besoin. Dire que j'ai trop mal dormi, c'est. Non, non, si t'en as pas besoin cette nuit, t'as pas besoin de tes chaussures. Tu vas pas mettre tes chaussures pour dormir. Ouais, mais hier je t'ai cramé. On voulait te les rendre hier soir normalement. Cramé. T'as rien cramé, frère, tes stories et tout. Non, si, je l'ai cramé avant de m'en coucher. T'as pas su ce matin, t'es venu. On m'a volé ma cire. Non, mais les gars. Hier soir, je savais que c'était. Mais. C'est des bâtards. Bah, récupère ta valise, ça va être une petite blague. Si, je vous en veux. Je me cache. Mec, t'as quand même insulté Mario et tout. Alors que finalement, il a pas rien. Hey, quand tu vois Mario. Mais j'ai jamais insulté quand tu vois Mario. Mario. Tu lui dis Mario, t'es non, un boss. Non. Tu lui dis Mario, t'es un boss. J'ai pas tu lui insulté fais un câlin. Mario. Ouais, quand tu vois Mario, tu lui fais un câlin, frère. Viens, tu lui fais un câlin. J'ai jamais dit que c'était Mario qui avait volé mes affaires. Mais c'est que si. T'as dit, je suis sûr, Mario, t'as offert ça à tes enfants. Mais pas du tout. Pas du tout. La tête de Wam, c'est pas vrai, gros. Non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Toi, t'inventes. Non, c'est carrément vrai. Oui, dans l'excès. Dobby, il est toujours dans l'extrême. Oui. Non, non. En plus, je lui ai dit à Mario, je sais que c'est pas toi. Putain. Bah, bien sûr, c'est pas Mario, frère. Mais ouais, on était obligé de te faire la blague. Tu sais, quand je t'ai dit, t'as un cadenas sur ta valise. Tu m'as dit non. Mais même moi, je t'avais demandé hier. Quand j'ai dit, vous récupérez ma valise, j'ai dit, ouais, il faut. Oui, donc ça veut dire que t'es allé chercher ma valise et il a refait le demi-tour. Ça veut dire que vous avez quand même réussi à choper le mec qui a volé mes affaires. Tout à l'heure, Dobby, il a mis. Il a mis son autre orteil dans l'eau. Mets ton autre pied. Mets ton doigt de pied à peau. J'ai peur qu'on l'avale. Chaton, mets ton doigt de pied, il est plus gros, toi. Ah, si, aussi. Inox. Faut le faire doucement. Comment elle a peur. Imagine, il y a un gros poisson qui vient te choper, tu fais quoi? Imagine, il te chante et du coup, tu tombes dans l'aquarium. Mais plus à peau! À peau, mais plus! J'ai vécu ça, tue en plus là. Oh, bâtard! Bah, regarde, ils partent tous les poissons! Mais plus! Bah, vous allez clairement partir aussi. Hein. Ah là là! Ah. Du coup, j'ai écrit au mec qui a fait tarte à la myrtille. Ouais. Et je lui ai parlé de nous, je lui ai dit ce qu'on faisait et tout. Et savoir si on pouvait utiliser sa musique. Ouais. Et il m'a dit, salut, je ne connaissais pas vraiment, mais j'ai justement regardé une vidéo d'Inox seul sur une île aujourd'hui. En tout cas, merci pour ça, ça me touche, vous pouvez utiliser mes musiques pour ce que vous voulez. Tartan aucun problème, elles sont totalement libres. Oh putain, bah faut la mettre là. Du coup, je lui ai dit qu'on faisait une petite dédicace, donc voilà, le Wanski. Merci mec d'avoir répondu. C'est, et nous on connaissait pas, hein. C'est Inox qui nous a fait découvrir. Le Wanski Tech. Eh, Monski Tech. Monski Tech. Eh, c'est moi, je leur ai montré, c'est mes potes qui m'ont fait découvrir Tête de Wam, ta musique elle est incroyable, mais elle me fait peur, c'est une musique d'horreur. C'est une musique d'horreur. Bon les amis, on s'apprête à aller voir les manchots, et en attendant, je vous laisse profiter, encore une fois, je vais vous casser les couilles avec ça. Mais faut que j'en profite, hein, là, vu que je suis sur place, parce qu'une fois que je serai rentré chez moi, plus jamais je reviendrai ici. La petite vue. Bordel, vous avez vu avec les nuages là, comment ça fait stylé. J'arrive pas à m'en remettre, vraiment. Vraiment, j'arrive pas à m'en remettre. C'est 10 sur 10, tout simplement. Hein. Les gars, c'est 10 sur 10, on est d'accord. Ouais, Mario. Hey, ça va. Ça va, Mario. Enfin, ouais. Bah ouais, ça va, tranquille. Hein. On est prêt pour kayak. Ah, là, on c'est... On a tout, on a pris des... Là, on a c'est quoi exactement le problème? Exactement. Là, on va faire le kayak. Ouais. Après, on va manger. On va faire le kayak autour des manchots. Donc, on va faire du kayak autour des manchots. Kayak, c'est une personne ou c'est plusieurs personnes? Je crois une ou deux, on va voir ce qu'on va faire. Et après, on revient. Et l'après-midi, on va au cas de Espérance qu'on était hier. D'accord. On verra ça en bas. Pour voir du coup la coupure entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. Les deux courants et le panneau mythique du cas de Espérance qu'on prend en photo. Ok, Sur la route, du coup, on traverse la réserve. Ouais, il y a des animaux ou pas sur la, dans la... On peut voir les babouins, les élans et jamais ça, peut-être. Ouais. Sur la route ouais, il y a des élans. Oui, les élans du Cap. Hey, attends, il y a des élans en Afrique du Sud. Oui, je pensais que c'était Canada. Mais les élans, c'est Canada, non? Ah, c'est du Canada. C'est les mêmes trucs, les grands trucs avec les énormes. Des cornes comme ça. Ouais, attends, il y a des élans en Afrique du Sud. Mario, comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais. Tu as dormi en forme? Ouais, nickel. Notre TikTok, Mario, il a bercé. Inox. Ah oui. Regarde, je vais te montrer. 2 millions. Eh, hey, Mario, ça y est, t'es une vraie star là. T'es une vraie star, c'est pas une blague. Regarde, 2 millions. Il y a des gens qui m'ont dit, ah Mario, on t'a retrouvé le guide du Cap. Il y a des gens qui m'écrivent quoi. Le guide en question, ouais. Pour mettre Mario Nsaï, comme ça les gens me retrouvent. T'as un TikTok? Oui, j'ai un TikTok, ouais. Ah, bah, c'est quoi ton TikTok? Mario Nsaï. Viens, on fait des TikTok, Mario. On fait un TikTok. Ok, on fait un TikTok. Comme ça. Oui, pour faire un TikTok. Je t'émotionne. Là, on fait un peu nymphe et on fait ça. Il est toujours souriant, j'ai jamais vu quelqu'un aussi souriant. C'est pour moi le générique qui met Mario, je pense. Ah oui, tu vas mettre Mario dans le générique? Mec, Mario, c'est un génie, hein. C'est un génie. Ça va, Mario? Ok. Merci pour hier, hein. Ils m'ont fait une blague. C'est pour ça que j'étais... Oh, elles sont mes chaussures. Ok. Oh, merci, Mario. Ouais, vas-y. Merci beaucoup. Ok, Mario, t'as compris. Mario, il était dans le coup. Ce que tu sais pas, c'est que Mario, il est encore en... Mario, il est dans le coup, Mario. Exactement, ils sont pas... Tu le vois différemment, quoi. Ouais, j'ai trop le seum, là. Mais non, regarde, tu veux pas lui en vouloir. Seconde jeunesse, quoi. Mario, on est pas... Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On s'en bat les couilles. Solina,
tellement qu'elle est dans ma tête, mais je vais pas continuer. Il va faire toutes les chorés TikTok, Mario. Mario, il y a la danse dans le sang. Hein. Bon, les amis, direction les manchots. Mario, tu me l'as mis à l'envers. La panite. Ah oui. Ah oui, tu crois que je te vois pas dans le rétro? Ah oui, tu me l'as mis à l'envers, hein, Mario. Franchement, Mario, je t'en veux pas parce que t'es un bon. Ah ouais, donc arrive à l'aéroport. Mais refais ça, tu verras. Merci. Il est en train de te raconter l'histoire de la valise, gros. Alors, arrive à l'aéroport, on me dit. Ah, il m'a fait l'histoire. Ouais, l'histoire, non. Arrive, on me dit que non, monsieur, on est occupé aujourd'hui, donc vous revenez demain matin. Non, écoutez, je prends la valise ce soir. Il y a des appareils, il y a des trucs à l'intérieur qu'on a besoin. Sinon, j'appelle le directeur de l'aéroport. Mec, il voulait appeler le directeur de l'aéroport. À 23h, il me fallait pour rentrer à l'intérieur. Je rentre dedans. Je dis, voilà, j'ai mes deux valises que je cherche. J'ai là, une et deux. Alors là, je mais suis par contre, là. Pour. Je suis dedans là. Oui, donc j'ai des petits quoi, de la valise. Petit pas. Moi, c'était avec les Jordan 4 que tu m'as pris, Mario. Et après de là, j'ai pris les deux valises. Et les Jordan 4. Il y avait dedans? Ouais. Ah, j'avais pas attention. Bon, les gars, je me suis mis à côté de Mario. Ouais. Putain, merde, mon téléphone. Ah. Non, t'inquiète, c'est bon, Mario, t'en fais pas. Il a une coquinogile, t'inquiète, ouais. T'es un bon, tu t'occupes de moi et tout. Ouais. Ah, on est mieux devant quand même. Hein. Oui, vous les photos. Ouais. C'est ouais. Mais tu conduis bien. Hein. Ouais, merci. Ah ouais. Je connais depuis 24 ans déjà. Ah ouais. Ah ouais, 24 ans. L'expérience. Et là, on va où, là, Mario? Là, on va directement vers Simonstown. Okay. En passant Simonstown, en passant par. Désolé. Non, c'est bon. C'était, je te regardais. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, du coup, oui. Ouais, donc là, on est en direction de Simonstown pour aller faire du kayak. On va s'arrêter à Chapman's Peak, okay. L'avenue de la Corniche, pour avoir une belle photo de la baie de Howth Bay. C'est magnifique, ça. Très joli, ouais. Splendide. Des belles lunettes, hein. Ah, merci. Ouais. Hey, Mario, tu m'aimes bien? Oui, beaucoup, ouais, bien sûr. On s'est parlé deux fois, Mario. Ouais. Allah, on y vient. Allah, on y bien. Allah, on y très très bien. Allah, on y très très bien. Ouais. Il y a des arbres d'acajou ici. Il y a des cajous, beaucoup d'acajou. Comme dans Minecraft. Oui, oui. Tu joues à Minecraft? Oui. C'est quoi Minecraft? C'est un jeu. Et tu joues? Pas beaucoup, mais ça m'intéresse quand même. Alors lui, c'est vraiment un crack. Hein. Tu as fait de la survie? La survie, une fois déjà. Une ah ouais ou deux fois, ouais. T'as réussi à construire un four? Non, pas un four, mais faire le feu. Faire le feu? Feu de bois, ouais. Mais non, t'as réussi à faire une maison? Oui, une maison, les tentes, les huttes, bien sûr. Et t'as vu les zombies? Zombies... ouais. Je crois qu'on n'a pas joué au même jeu, Mario. Mario, il parle une langue, ouais. Et en plein milieu des phrases, il claque des... Ouais. C'est donc, du coup ça. En disant, vous demandez quelle heure est-il? Dis Mario, Bani, Echa. Eh Mario, il y a des mots, il y a deux claques des fois? Yeah. Onzoane. Onzoane. Et attends, mais là, dis une phrase avec plusieurs. Ok. Wena watanda mukomboti. Mukomboti watanda kakulu. Watanda mukomboti. Moi j'aime la bière traditionnelle, le mukomboti. Eh Mario, il nous a ramené un spot là. Maman, est-ce que vous êtes prêts? Là, ça fait vraiment décor un peu. Jurassic Park en fait. Là je pense dans 5 ans je plante ma maison là. T'imagines t'as ta maison là? Je la plante là je pense. Je pense pas que t'as les droits à faire. C'est une réserve naturelle ici en fait. Ouais mais si t'es comme Elon Musk t'as les droits. Mais t'es Elon Musk? Bah le but c'est de l'être non? Elon Musk c'est un peu... Ouais. C'est beaucoup quand même. Ouais c'est beaucoup. Ouais mais bon. Ouais mon gars. Après t'as la maison que tu veux. Non c'est pas vrai. Parce qu'il nous expliquait hier Mario que Michael Jackson il avait tenté d'acheter le haut d'une falaise genre, ouais. comme ça par exemple là-haut. Ouais. Et pour y construire sa maison, et les autorités ont dit non. Non mais en vrai quand c'est des Michael Jackson ou pas Michael Jackson, non. Mais par contre je voudrais bien comprendre, enfin je veux bien comprendre que oui, t'aimerais bien avoir ta maison là quoi. Après tous les matins je te réveille, t'as ça devant toi. Putain. Avec Mario. Mario c'est la mascotte hein. En vrai c'est le meilleur guide qu'on a jamais vu. Il détrône Horatio, de loin même. Horatio c'est quand même un cas. Horatio c'était un même. C'était quand même un cas. C'était un même. Ouais c'était un même. C'est à dire il disait oui, il comprenait pas. Ouais. C'était un génie. Alors que Mario c'est le gars. T'en penses quoi ma gueule? C'est magnifique. Mec c'est incroyable, je m'assois avec toi parce que j'avoue que c'est là, ce moment là. Tu vis quoi. Là tu vois, ça c'est un moment que je vais essayer de mémoriser dans ma tête. Là on a de la chance mec. Oh purée, non mais c'est pas possible. Bon allez, direction les manchots là. Hey Inox, la dernière fois que j'ai fait du kayak, est-ce que tu te rappelles? Les amis, vous savez que kayak c'est un des seuls mots français où ça se lit dans les deux sens? Ça s'appelle comment, un mec aussi dans les deux sens? Ah putain, je le savais. Un hydrosens. Oui. Hydrosens? Ouais, hydrosens. Mais check. Comment tu sais? Mais je t'ai dit, lui des fois c'est le plus con, mais des fois c'est le plus intelligent. Je suis un des plus intelligents. Bien vu mec. En fait c'est les deux à la fois. C'est ça? Non.
C'est pas hydrosens. Sale bâtard. Il dit hydro parce qu'il voit de l'eau, mais hydro c'est dans l'eau, mais il y a rien à voir avec le sens. Ouais. Et du coup, c'est quoi? Je sais pas. Dans les commentaires, ils le savent, c'est sûr. Ok, great. Bienvenue. Les amis, sur cette matinée, je vous le dis tout de suite, ça sera filmé à la GoPro. Du coup, voilà, je pose la caméra. Regardez-moi mes petits doigts de pied là, comment ils sont beaux. Oh, c'est quoi ça? Man, come here to be my friend. Bro, come here. Come. Pourquoi ils parlent? Mais tu les engueules, gros. I'm from Paris. I like the baguette. Bro, you are my friend now. Hola. ¿Cómo está la señora? ¿Bien? Bien, bien, bien. Where do you from? Mexico. Mexico. I was in Mexico 1 week ago. Eh, hey, dis-lui les villes que t'as fait. You are going to what? Come, come, I wait for you. Come, run to me, run, run, run. What? You want I pull them? Yes. No, the activity is to pagay, so you pagay. I will not take for you. Go more fast. You are too slowly, too slowly. Ah, il m'attaque avec son zizi. Ah, ah, les gars, il m'a mordu. Ah, ah. Okay, my friend. What? Truce. You are my real friend. Check. Yeah. Okay, go more fast. I'll help you. Go, go, go. Où ça? Oh, il y a des pingouins, putain. Oh, il y a des pingouins. Mais non, chaud, frère. Me llamo Romualdo. You joking of my name? Be careful. I bet you boat in the ocean. No, don't touch. Don't touch that. My friend, it's my dick. La soupe. Bro, don't touch my dick. Moi, je me suis fait des potes mexicaines. Mais gros, mais ça te suit, n'empêche. Mais gros, les mexicaines, je crois, elles sont trop attirées par moi. Il y a un manchon. Il y a un manchon. Allez, on rentre à la maison. Oh gros, il y a encore une méduse de malade. Eh, hey, il y a des méduses de fou, hein. Mais oui, c'est des vrais moules, là. Ah ouais, il y a plein d'étoiles de mer, là. Bah attends, c'est un mur d'étoiles de mer. T'as vu que... Oh, regarde, là, il y en a combien, là? Là, il y en a une juste là, gros, regarde. Mec, c'est trop bien l'ambiance, ça, ouais. Bon, fin d'activité, hein. Maintenant, on va manger. Miam, miam, miam. Oh, j'ai le fia qui est trempé. Pareil. Ça va, Inès? Ça va, et toi? Tu manges en tête à tête avec Mario? Ouais. Avec mon gars. Mario, il y a eu 9000 abonnés sur TikTok. Attends, mais monte son TikTok. Est-ce que c'est possible de lui faire passer les 140? Il y en avait 40. Ce matin, il en avait 40, il y a 9000. Ouais. C'est quoi le titre? C'est quoi son TikTok? C'est pas assez vite, hein. C'est Marion Saï. Marion Saï, ouais. Ensai. Mario Ensai. Mario Ensai. Ouais. Est-ce que t'as un mot pour la communauté? Mais tout se passe bien, hein. Tout se passe bien. Tout se passe bien. On est bien là. Ouais, on est là. Bien, on est là. On est là. À là. On y vient. On y vient. Ah ouais? Ça parle des chicots là. Moi, il m'a dit, le vétérinaire, j'ai une dentition. Quoi? Le veto, il a dit. Il a dit quoi le veto? Il m'a dit, mais gros, mais pourquoi tu fais mal? Attends, j'ai dit un truc pas bien. C'est un clips. Pas mon clip. Le dentiste. Mais la tête de l'homme, j'ai pas fait exprès. Le dentiste. Mec, j'ai dit le vétérinaire. Non, le dentiste. Il a dit quoi sur tes chicots? En train de flex avec le dentiste, il a dit que j'ai des chicots d'enfants de 13 ans. Ah ouais? 12-13 ans. Mario est en train de flex. Mario est en train de flex avec tous ses amis guides. Il arrive avec son téléphone. 10 000. Oh, sérieux? Mario, quel crack! Il mérite ça! Mec, son nom de famille, ça veut dire joie. C'est ça qu'il nous a dit, hein? Ouais, c'est ça. Ensai. Ça veut dire joie et il est joyeux. Allez, bon appétit tout le monde! Petit poisson issu de la mer. Il n'y a pas d'arrêt. Mmh. Mario, il est excellent le poisson. Vraiment. Il est excellent. Très bon poisson, c'est du merlu. Du merlu? Ouais. Bouzy. Ouais, il est très bon. Excellent. Excellent. Toi le difficile d'ailleurs. Toi, t'es difficile, toi. Non. Si. Non. Ouh, les croûtons en Afrique du Sud. Gardez votre énergie pour tout à l'heure. Ok. Fais ta voix qui chante, on la connaît. Ouh, là, c'était bien. Mais là, c'était bien. Là, c'était bien. Hein. Vas-y, recommence. Ouh, oh là là. Tu vas nous donner des cours. En fait, Bouzy, là, juste, il la booste, en fait. Tu la boostes pour ton générique. Dobby? Ouh, les croutons Afrique du Sud. Mais c'est ça le problème de Dobby, c'est que tu peux pas être sérieux deux minutes. J'étais archi sérieux, bâtard. Bon, on paye les boissons du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Pidi, tu pousses la chantonnette? Ouh,
Ouais, c'est vrai que c'est pas ta voix d'habitude ça. Mais, mais c'est très bien comme ça, c'est très bien. Ça fait ta voix de tabaré. Timbre. Bah ouais, c'est très bien. Les croutons Afrique du Sud. Voilà. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. C'est mieux que ta voix. En fait, c'est soit je monte dans les aigus ou soit je la. Il y aura Mario aussi. Tu la sors, c'est mieux quand tu la sors. Mario, fais-le. Les croutons d'Afrique du Sud. Mario, c'est un crack. Mario, c'est un crack. Mario, c'est un crack. C'est une masterclass. C'est le GOAT. C'est le GOAT. C'est le GOAT. Le guide of the all time. Oh là là, putain, les gars, qu'est-ce que j'aime cette sensation quand j'ai fini de manger et que je sais que je suis. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas. Je suis diverti. En fait, on est obligé de passer par là. Caste. Ah mais ouais, quand je suis repu là et que je sais qu'il y a une petite après-midi de chill qui arrive. T'as des abdos hein, bâtard. Tu trouves? T'en as un. J'en ai. C'est mon bidon. Alors là sur votre gauche, on peut voir l'île aux pingouins. On y allait tout à l'heure. On a fait 2 heures de canoë pour voir 2 pingouins. Sur votre droite, on a la colline du Faux-Nasson. Celle-là, elle a été fondée il y a quelques années par les Égyptiens. Attends mais quoi? Oh l'autruche! Il y a une autruche, frère! Oh l'autruche! Mais là, elle a pas peur du tout de nous! Non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas un danger. Ah descendez, ouais. Descendez la voiture, descendez. Attendez, descendez la voiture. Ah oui, ils sont là! Ils sont descendez, énormes! Descendez. Mais c'est pas des élans du coup! C'est des élans, ouais. C'est des gazelles. C'est des gazelles du Cap. C'est ouais. Des élans ou des gazelles? C'est la plus grande antilope d'Afrique. Oh! Ah oui, non, mais toi, t'as sorti le tube! Tu les vois de près là? Oui, oui, on va avoir des bêtes d'images, les amis! Et merci, Aurore. Et là, les gars, dites-vous qu'on n'est pas au safari, hein. Là, juste on se balade en Afrique, quoi. Parce que ça Mario, c'est, on n'est pas en safari, là. Hein. Là, non. Juste on, petite balade, quoi. Une petite balade dans le parc et il y a encore des animaux. Hein. Ça, ils peuvent pas voler. Là, ils volent pas. Salut, toi. Ça va? Eh, il y a que des paysages à couper le souffle ici, les gars. Du coup, Mario, c'est quoi ça? C'est le panneau mythique du Cap de Bonne-Espérance, le point de rencontre de 2 courants. D'accord. L'océan Atlantique, qu'on appelle le courant de Benguela. Ok. Et l'océan Indien, qu'on appelle le courant des aiguilles à Dagalas. Là, c'est l'océan Atlantique. Ok. Et à gauche, c'est l'océan Indien. Ouais. Ok. Les 2 courants se rencontrent ici. 1, 2, 3, c'est bon? Vas-y, allez-y. Mario! 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 Allez, Mario, c'est le rôle! C'est le rôle d'une vie, Mario! C'est le rôle d'une vie, Mario! T'es dans le générique, Mario! Y'a un babouin! Wesh, y'a un babouin! Il peut rentrer dans le truc, y'a un babouin là! Wesh, ouais, mais énorme! Oh, y'a un bébé! Y'a un bébé sur son dos! Wesh! Oh, y'a un babouin devant moi, frère! Viens voir son trou de balle, frère, tu vas taper une barre! Ah ouais, bah c'est babouin! C'est un babouin quoi! Ouais, c'est un babouin! Mais... Oh putain! C'est vrai que c'est. C'est hard! C'est hard! Prends pas ce mignon! Par contre, en vrai de vrai, son enfant, enfin son bébé, je kiffe! Ça va, Ti? Mais comment c'est qu'il est confiant comme ça? C'est ouf! Incroyable! C'est ouf qu'on voyait pas peur! Mais je pense que c'est parce qu'il y a personne qui lui fait de mal à chaque fois. Mario, pourquoi il a pas peur? Non, parce que on le chasse pas. Okay. Le babouin le chasse pas, il est sauvage. Il n'est pas chassé, donc il n'est pas menacé. Donc voilà. Il est confiant, il est confiant, il n'y a pas de soucis. Parce que t'as vu, il y a un enfant sur son dos. C'est son habitat. Ça va? Ça va, Baboun? Il est beau de devant. Il est incroyable, il a pas peur. Ouais, tu prends quoi en photo? Ah non, je prends le babouin. Non mais c'est énorme, j'ai jamais vu de babouin, j'ai vu que ça qu'à la télé, c'est incroyable. Mais non, ça ressemblait un peu à ce que j'avais il y a un mois quoi. Je trouve ça super mimes. Oh purée, oh, putain. Oh purée. Ouais. Mais attends, mais comment ça a marché tout frère? Ah non mais il a un problème à la nuit là, c'est pas possible. Non, attends, il est malade. Mario? Il est malade non? Pourquoi? Pourquoi il a le trou de balle en feu là? Parce qu'elle est en route. Elle est en route, ouais. Mais toutes les bambins. En route, ça veut dire qu'elle veut faire l'amour avec les mâles. Ouais. Okay. Okay. Mais gros, elle a le trou de balle en feu là. Oh le cul. Oh le tarpé. Oh le tarpé du babou. Non, mais en vrai, on rigole, mais c'est impressionnant. En vrai, et c'est en vrai, incroyable. De vrai, mais 100% des gens qui voient un babouin, tu dois rigoler. C'est ouais, comme c'est... les proutes, c'est marrant. Ouais, ouais. Bah, gros, bah là, t'as un cul enflé, c'est marrant. Impressionnant parce que son bébé, il est sur elle. Par contre, c'est méga beau. La tête, elle est vraiment belle. Ouais. De devant, il est beau. Dis-toi, il vit là, hein, il vit dans la forêt. Ouais. Il doit y en avoir plein. J'adore cette ambiance. Je m'habituerai jamais à cette vue. C'est magnifique. Mario, ouais. Ton pays, il est magnifique. Ouais, il est splendide, ouais. Il est magnifique, moi je te le dis. Hein. Ouais. Je commence à avoir voyagé là et c'est un de mes pays préférés. Ouais. L'Afrique du Sud, c'est surtout la meilleure destination. La ville, le Cap, quoi. Ouais, parce que très diversifié parce qu'il y a moins de 50 km, on a les animaux sauvages et tout ça, le paysage, le Cap de Bonne-Espérance, la Pointe du Cap. C'est incroyable. Et là, par exemple, les animaux, les élans du Cap, ouais, les babouins, ouais. On a vu les manchots, les otaries. Ouais. Il y a beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses, très diversifié. T'as bien aimé le babouin?
Il y avait trop de balles. C'était dégoûtant. Il était un peu enflé, quoi. Jamais je le touche. Mais t'as vu sa tête, comment elle est belle? Ouais. Il est charismatique, je trouve, l'animal. Avec son baby, là. Ouais, avec son petit baby. Merci, Mario, pour cette journée. C'était incroyable. Wow. Pour le générique, je te dirai quand ça sortira. T'as le rythme? T'es stressé ou pas? Non, non. Ok, oh, Mario, générique. Première séquence, première prise. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Ouh, ah, les croûtons en Afrique du Sud. Ouh, ok, ok. Ah. Ok, on la refait, on la double. Ouh, ah, les croûtons en Afrique du Sud. Ok. Du Sud. Ok. Ok, okay, c'est parti. Ouh, ah, les croûtons en Afrique du Sud. Oh là 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 là, elle est perfecte celle-là, Mario. Putain, t'es un boss, gros, bon, putain. Merci, Mario. Merci beaucoup. Okay, Mario. Ah, Mario, bien joué. Pas assez d'entrain, Apo, là. C'est toi la star de la danse avec Danse avec les Stars. Mais qu'est-ce qu'il prend, le... Wesh, le clipper, là, oh. Je suis clipper, les gars. Le clipper. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est comme ça, les filles. Ouais. Allez, on enlève les vêtements. Le clipper pervers. Oh putain. Hey, Bouzy, depuis que je le connais, il y a ce t-shirt là, wesh. Oui. Bouzy, ça fait combien de temps que tu l'as ce t-shirt? Bah, depuis les vacances aux Alpes. C'est bien ça, le Dobzir, c'est bien ça. What ici? C'est comme ça qu'on devient un monstre. Ça, c'est le pire, c'est quand tes potes ils sont à côté, ils font rien. C'est bien, Dobby, c'est bien. Non. Non. C'est séance photo ce soir. Tu sais que le prix de ces chaussures là, il a grimpé de fou. Bah oui, frère. Maintenant, c'est plus de 1000 balles. Bah oui. 1200 balles, j'ai dit. Tu vas acheter la deuxième là. Moi je les ai achetées 400 balles. Ah, mais c'est toi tu les as aussi? Non, ouais. Je vais les acheter. Je les ai aussi, toi. Tu les as les beiges? Ah non, j'ai que les. Je vais acheter les beiges. Ouais, montre là, tends ton pied. Fais une petite pause de Instagram là. Petit dragon dans le dos, petite paire incroyable. Il y a des gens, ils demandaient c'était quoi la ref de ton pull. Les gars, j'ai pas la ref, j'ai trouvé dans un magasin. Il est carré, hein? Oui, il est bonne qualité en plus. Bah toi, il te va bien. Moi, il serait nul sur moi, tu vois, mais toi, il te va bien. Je vais faire une photo avec. Attendez. Mais en haut, elle est. Vous êtes en train de me dire. Elle a la température de votre piscine. Oui c'est vrai. C'est vrai. Mais de ouf, bon, on s'est baigné, on a fait des photos. Sérieux? Oui c'est vrai, en vrai elle a raison. Oh bordel, et celle-là? Celle-là elle est un peu plus froide. Oh, celle-là elle est pas chauffée celle-là. Et celle-là en haut? En haut t'as les jets, ils sont chauds. Ouh. C'est tout. Non. Ouh, le vrai. Ouh les croutons. Ouh. Non y a pas le... C'est... Ouh les croutons en Afrique du Sud. Ouh les croutons en Afrique du Sud. Y a de l'entraînement. Voilà, Il y a du taf. Il y a du taf, mais il y a un coach. Non, ici, mais en fait. Faut revoir un coach, petit peu la rythmique et un petit peu les notes. Ouais, avec un peu de réverb. Donc là, cette piscine-là est chaude. Mais vraiment chaude. Mais je suis allé comme ça. Mytho. Bah, va regarder de ce côté-là en tout cas. Tu m'as vendu un peu du rêve quand même. Bah, en fait, elle est plus chaude, oui, c'est vrai. Je te l'accorde. La touche là. Ah, si, elle est plus chaude, ouais. J'avoue. Ça va peut-être faire trempette, ouais, effectivement. Ah, mais ça tape des pauses en fait là-haut. J'avais pas vu. Ouh, ah, les croutons en Afrique du Sud. Oh, c'est bien, bien. Voilà. Oui. C'est ça. Je veux la même. Attends, je me suis improvisé. C'est ma vidéo en fait. Je veux la même en un tout petit peu plus lent. Ok. Ouh, ah, les croutons en Afrique du Sud. Oui. Ah, the last one. Et du coup, un peu plus rapide du coup, comme ça au moins un tout. Ouh, ah, les croutons en Afrique du Sud. Oh là 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 là. Masterclass. Envie de foutre sa gueule là. J'ai hâte d'entendre Inox. Inox, tu mets de la vocale. À la vocale. Ouh. Attends. Ouh, ah, les croutons en Afrique du Sud. Alors t'as le même problème qu'Apo. Mais là on dirait c'est Pidi qui parle. Ouais, t'as le même problème qu'Apo. Ouais, tu t'insistes trop Inox, sur le an. Le an, faut qu'il passe crème, tu vois, plus vite. Ouh, ah, les croutons en Afrique du Sud. Il a fait une vibe un peu genre arabique. Mais c'est nul. C'est pas Kazay, là, c'est Léo. C'est nul. Non, mais déjà, tu fais ouh, ah, les croutons. Il n'y a pas de ouh, ah. C'était long, c'est bien, long, bien trouvé. Les Inox, on va te venger. Hein? On va te venger. Les amis, il y a Dobby qui est en train de se laver dans son bain et on peut passer par la fenêtre. Et le moment où il ouvre la fenêtre, tu mets toute l'eau fraîche. Après, il va vouloir se venger. Non, non.
Mais connard. De toute façon, techniquement, je sors d'une douche froide, donc je m'en bats les couilles, gros. En vrai, ce qui me fait juste chier, c'est 10 minutes, on attend le prank. On n'ose pas faire, en fait, on voulait faire un prank, mais on n'osait pas, frère. Mais ça fait, je suis sous ma douche à l'eau froide, parce que j'avais mon bain qui était trop chaud. Putain, c'est ridicule. Attends, les gars. Bon, bah... Le premier degré, juste, ça me fait chier, c'est que ça glisse dans ma chambre, du coup, maintenant. Bon. Verdict... Bon, verdict 1 sur 10. Je suis pas le meilleur. Mais on a bien rigolé. Mec, on osait vraiment pas venir, en fait. Je disais, mais imagine, on le fout à Walp et tout, qu'est-ce qu'on fait, gros? Mais j'étais juste... Bah, mec, il est venu, j'étais dans mon bain, on voyait mon trou de balle, frère. Ah, putain, vous y... Il s'est pris le truc, il a fait... Bon, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Ça va, les gars? Ça va? On a bien rigolé. On a bien rigolé, ouais. Il vous a vu? Bah, on a fait exprès, on a toqué pour qu'il vienne. Et le moment, il sort de la salle de bain, on lui jette le truc. Mais en fait, en gros, il prenait une douche froide. En fait, du coup, ça lui a rien fait, l'eau froide. Ah, il ferme son truc. Mais il était pas dans un bain. Si. Sauf qu'on voit à travers. Oui, il ferme son truc et du coup. Il savait pas ça. Bon, okay. Les amis, comme d'habitude, les girls, elles nous emmènent faire quoi? Un TikTok. À votre avis, un TikTok. On va faire un TikTok. C'est... La petite train de Fade Up. Même moi qui est pas sur TikTok, je la connais et je l'aime bien. Non mais laisse comme ça sinon. C'est là où il y a quelqu'un qui chante et on va tous être avec notre flash comme ça. Ouais. T'es prêt? Vas-y, ouais. Tu me dis 3, 2, 1. 1, 2, attends. 3, 2, 1. J'ai passé toute la nuit à compter mon oseille. Ta maman est ma pote et c'est tout comme elle. Tu voulais être une belle, Ok. Eh, je crois que ça tue sa mère. Eh les gars, je crois que ça tue sa mère. Oh, incroyable. Oh, okay. Oh, oh. Eh, je suis trop chaud. Vous êtes prêts? Ok. Vas-y. Mais ça sera après, ça sera plus drôle. Ça allez. La tête, tu m'as chopé les couilles par derrière, bâtard. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Tu l'as touché les couilles? Non mais j'ai pas fait exprès. Tu l'as touché les couilles, moi? Ça va. Allez. T'as touché ses boules? Non mais de base, je me suis pris par derrière comme ça et il a fait ça. Il a attrapé deux boules sans faire exprès. Les deux boules d'un mec. Allez, ça va nous mettre de... Ok, 3, attends. 3, 2, 1, à mais lève ton flash. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. J'ai pas mal à mon pote, mais où c'est que je me mets? J'ai pas mal à ta tête, quand tu penses, Ok. Alors? Il est trop bien. Regarde-toi. Sur le TikTok de Pidi. Et ça charbonne les TikTok ici. Hein. Ah, vous êtes à combien de TikTok là, depuis le début des vacances? Là, on peut le faire à tout le monde. Moi, je pense que je suis à 15-20. Attends, je vais compter. Ah, moi, 15, je fais, c'est des stories Insta. Moi, c'est des stories Insta des fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On fait TikTok d'impôt, en fait, on est en croche. TikToker, en fait, là. Tarte à la myrtille. Coupe la musique. Je me sens partir. Coupe, s'il te plaît, coupe. C'est mon retour. Non mais coupez là! Coupez! Les gars, cette musique c'est une musique de fou furieux. Elle est incroyable cette musique. Il est cinglé, je te joue la vie. Il a dit bouffe-moi le cul. Mais attends, mais gros, mais tu t'es mis torse poil. J'ai trop chaud là. T'es tout contracté, ouais. En plus, il y a que des nouveaux drops. Eh hey, les gars, le génie qui a fait la tête d'homme, je vais au studio, je vais poser une musique mais dessus. Ouais, pose une musique sur ça. Mec, du rap sur une instru comme ça, énervé frère. Énervé. Révolutionnaire. Il a envoyé la vidéo où t'étais complètement. Mais non. Ouais, il m'a pété un. Il t'a répondu? Non, là, il m'a pas répondu encore. Mais je pense qu'il doit vivre la nuit, ce mec. C'est une chauve-souris, mec. Attends le vlog, ma bobo. Le repas à table. Galette de pommes de terre avec un petit saumon.
fine green beans, petit pois purée, and courgettes. Petit pois purée. Thank you. I can have one like this more. Ah mais c'est vrai. Inox tous les soirs c'est la même chose du coup. Thank you. T'en as une deuxième? Ah toi t'es là toi. Je suis obligé frère. Oh là là. Non, par contre, eh, nous, elle nous régale. Ouais. La chef. Mais attends, mais même lui, un plat basique, il est magnifique. Même moi, le basique. Moi, ce que j'attends toujours, c'est ça là. Mais c'est magnifique. Ah, là, c'est dans du brioche. C'est quoi du coup comme poisson? C'est un poisson typique d'ici. Argentin? Non, elle a pas dit argentin? Bah, j'ai cru penser. Bon appétit, les amis. Oh là là. C'est un pur délice. Aujourd'hui, je mangeais que du poisson et j'en suis. Eh, c'est vrai qu'on mange beaucoup de poisson, mais c'est cool. Bah c'est la spécialité du sucre. Franchement, je trouve que t'es garé là, toi. Maman, c'est quoi? Bousy, c'est quoi? Alors, c'est un cheesecake revisité. Ok. Avec une pâte un peu plus écœurante. Thank you. Encore de la cannelle. Ah. Du coup, c'est bon, mais c'est vite écœurant. Ah oui? C'est un gâteau au lait. Ah! Non, ça va. Tu sais ce que tu veux dire? Ouais, les trucs au-dessus, c'est de la cannelle. Ah, non, moi j'adore la cannelle. Si c'est la cannelle, je vais pas aimer, tu connais? Bah, il y a de la cannelle, gros. Non, mais c'est très fort. Quand c'est trop lent. Non, j'aime pas. Mais c'est vrai que tu mets de la cannelle partout aussi. Mec, c'est la meilleure musique. Non, là ça va. Là ça va. Mais là, bon, c'est super bon. C'est excellent. Il y a un petit goût de spéculoos en fait. Ouais, voilà. L'eau, c'est le meilleur. J'en lâche un vrai, non, en fait. Mais oui, après, t'en lâches un vrai. C'est le sorté. C'est le moment des poules. La scène où je pète dessus. Ah, je suis mort de rire quand il m'a pété dessus. Ça, c'est le moment le plus drôle, là. Non, mais c'est dégueulasse, gros. Il m'a mis un molar dans la gueule, c'est on marrant. Dirait. Non, bah, tu vas voir. Mais pourquoi ça c'était une étudiante. Et surtout que l'eau, les gars, l'anecdote, ça faisait une demi-heure que je l'avais dans la bouche, donc elle a eu le temps de mijoter avec ma salive. Ah, ça me dégoûte. Oh, ce moment, il est masterclass. Ce moment, la vie de l'air. Mec, regarde les commentaires. Regarde les commentaires. Tout le monde est plié du coup. En fait, le changement d'ambiance que je vais. Je rigole et après, je me prends plein la gueule. Ça fait quoi là dans la rue là? Cette ruelle m'inspire un peu. Fais le mannequin, pose. Eh, hey, toi, t'es mannequin, toi. Mais non, mais un petit chat. Minou. Bah alors, ça, c'est quoi. Oh, viens là, tu. C'est mon poteau, ça. Bah alors, oh. Fais des ronds, toi. Oui. Mec, n'empêche que gros, frère, t'es en train de. Dis-toi que là, le moment là que tu passes, bah, t'es en train de faire des câlinous à un petit chat d'Afrique du Sud. Il est clairement quelqu'un. Bah oui, bah bien sûr qu'il est clairement quelqu'un. Parce qu'il est quand même grassouillé. Hein. Ça va, toi. Mais regarde, il t'a gros. Attends, mais ce soir, toi, tu dors pas seul en fait. Ce soir, tu dors pas seul. J'adore les animaux. Je vous le dis, les gars, j'adore les animaux. Bah, un chat, ça donne de l'attention, mais je trouve c'est pas... Je préfère les chiens ouais, que les chats, mais en fait, les chats, c'est hyper câlinou quand même. Hein. T'as l'impression ça... Les amis, dans les commentaires, vous êtes team chien ou team chat? Moi, je suis chien. Toi, t'es team chien? Moi, je suis team chat et chienne. Oh, putain. C'est un faucon. Il ronronne, frère. Tu sais que je peux l'appeler comme ça, il vient sur mon bras. Vas-y. Non, c'est le babouin. Bon allez, moi je rentre. Hein. Okay. Bonne séance photo les amis. Oh. Bon les amis, aujourd'hui je vous lâche un peu tôt. Il est exactement 21h et des brouettes. Je dis exactement et je vous dis pas exactement. 21h03. Journée, elle nous a claqué today. Du coup là, ce qu'on va faire, en vrai ça va pas être très intéressant. Et comme je vous le dis souvent, j'aime bien garder ce petit côté genre le soir on est entre nous, plus en perso etc. On parle voilà de tout et de rien. Là ce qu'on va faire sûrement, on va se poser dans le salon du dessus et on va sûrement se mater un film ou une vidéo YouTube ou je sais pas, jouer un jeu de cartes ou autre, du coup voilà. Je vous fais des gros bisous, merci encore une fois pour tout ça, putain. Je suis en train de regarder la vue devant moi, je me dis waouh, mais c'est un rêve les gars, mais putain, mais... Eh, je vous jure, moi je m'en remets pas. Je m'en remets pas, c'est... Un gros merci tout le monde, les gars. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces en les abonnements, bientôt les 3 millions. Les commentaires, franchement, ouais, merci mille fois. Et ce voyage, même s'il partait mal parce qu'on a raté l'avion, Michou a eu le Covid, on n'avait pas nos bagages, etc. En vrai, il est quand même masterclass. Je trouve qu'on en parlait tout à l'heure à table. Le voyage nous rapproche de fou parce qu'en fait, on est en plus petit comité. Michou Doc nous manque, mais bon, bah voilà, il y a des fois, tu pars en vacances avec d'autres, une autre bande de potes ou les mêmes potes, mais peut-être une personne ou deux en moins. Et bon, c'est différent, mais tu t'habitues, on est en vacances au final, tu vois. Genre, du coup, nous, on kiffe sur le moment et tout. Et franchement, c'est.
c'est énervé. J'adore les vacances là actuellement. Je passe un très bon moment. Bien que bah, les deux frérots sont absents. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Chiki brrr.